On a été abandonné. Cette vallée, elle n'intéresse personne. Nous, 300 mètres de route, ils ne savent pas le faire. C'est notre maison, c'est nos animaux, c'est notre vie. On est resté avec ma femme pendant 5 semaines avec 4 bouteilles d'eau. On paye des impôts, on est comme tout le monde. Chaque fois qu'il part dans la rocaille, là, j'ai vraiment peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc déjà, il faut trouver quelqu'un qui puisse appeler des secours. Et il n'y a personne. Monsieur Martini, je vous apporte le journal. Eh bien, au bout de deux mois, ça fera plaisir de lire le journal. Hein. Ça fait du bien de parler de ce qui est arrivé, comment on arrive à le surmonter. Dire qu'on la recherche et qu'elle pourrait se laisser découvrir. C'est bête comme expression, mais moi j'arrive pas à m'y faire en tout cas. J'ai pas envie qu'elle reste encore longtemps dehors. C'est con, mais c'est pour pas qu'elle dorme dehors. S'ils nous ont pas appelé, c'est qu'ils ont pas trouvé, mais on sait qu'ils continuent à chercher. Donc, pour l'instant, quelque part, ça, moi, en tout cas, ça me suffit. Le terrain est changeant. Donc, il y a des endroits dans lesquels il y a eu des vérifications qui ont déjà été faites, sur lesquels on va retourner. Que des corps ne sont pas retrouvés, on a des familles qui sont dans l'attente et là véritablement on comprend que c'est très compliqué pour elles. Donc tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui et qui va continuer à l'être, c'est pour pouvoir leur apporter des réponses. C'est notre devoir de ne pas oublier les familles et on les accompagnera jusqu' le temps qu'il faudra et pour cela, pour nous le temps ne compte pas.